Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Aujourd'hui, nous allons partager des choses intéressantes. Je tiens à transmettre mes salutations dans tous les continents de la terre, en commençant par le continent africain, européen, américain, asiatique et australien, et toutes les îles de la terre, nous vous transmettons nos salutations. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de cet être suprême que nous connaissons, que nous prions, que nous cherchons régulièrement, mais nous allons parler de lui de façon un peu plus profonde pour pouvoir partager avec l'ensemble du peuple de Dieu de ce qu'est notre Créateur. Amen. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est l'apparence de Dieu. Et oui, l'apparence de Dieu. Comment Dieu est-il décrit dans la Bible? Quel est l'aspect de Dieu et quels sont les attributs de Dieu qu'il nous a communiqués? Toutes ces choses-là, nous allons le voir. Amen. Alors, comme à notre coutume, nous allons prendre le temps dans la prière. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici au-devant de toi. Nous venons nous remettre entièrement entre tes saintes mains parce que tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui manifeste ta bonté au milieu de nous. Aujourd'hui encore, Père, tu choisis, Seigneur, de parler à tes enfants, de parler de ta personne, car tu es notre Père. Et quel est l'enfant qui ne connaît pas son Père? C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous venons te parler, nous venons parler de toi, afin que chacun d'entre nous, Père éternel, puisse se retrouver par rapport à la communication véritable et par rapport à la relation que nous avons avec toi depuis le commencement jusqu'à cet instant. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis le père, la mère, les jeunes gens, que tout un chacun d'entre nous puisse recevoir sa part pour la gloire de ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu vivant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous allons parler, et oui, nous allons parler de l'apparence de Dieu, parce que depuis un certain temps, il y a plusieurs questions qui sont revenues, notamment sur la personne de Dieu. Généralement, lorsque nous parlons du divin maître, nous avons l'habitude de parler de lui comme un esprit. Alors, comme la fois dernière, nous avons utilisé le livre de Jean chapitre 4, au verset 24, qui déclare ceci, que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là parce que lorsque nous parlons de l'esprit, il faut comprendre que le Dieu créateur que nous prions, il est le créateur de tout ce qui est visible. Alléluia. Et puis, autre part, il nous est dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous le trouvons dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 26. Très important. À plusieurs reprises, vous allez rencontrer des personnes et à qui vous allez poser la question de savoir, mais est-ce que Dieu qui nous a créés, il nous a créés simplement, quand on dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, est-ce que cette ressemblance était simplement une ressemblance spirituelle ou est-ce que la ressemblance que nous avons avec Dieu était une ressemblance physique? Chose importante parce que la forme physique de l'homme, nous sommes bien d'accord, que cette forme physique nous vient du Créateur. Et cette forme, c'est lui qui nous l'a attribuée. Alors, lorsqu'on aborde ce sujet, il y a aussi la vision des choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme un bon enfant qui a le désir de connaître son Père, nous allons partager sur l'apparence de Dieu. Alors, avant de commencer, je préfère nous orienter sur ce petit reportage pour comprendre ce qui nous entoure au sujet de l'apparence de Dieu. Suivez les images. Depuis le 4e siècle, date où eut le concile de Nicée, la séparation de l'église chrétienne suite au conflit œcuménique qui a eu lieu, il y a eu plusieurs propositions. Mais seulement depuis le 18e siècle, les propositions qui ont été mises en valeur sont les propositions que vous voyez, que vous constatez. Vous avez l'image du Dieu trinitaire, sujet à laquelle il y a eu beaucoup de controverses avec l'église orthodoxe. Vous avez l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père, le Fils et la colombe. Ces images sont des images qui datent depuis le 18e siècle, mais qui remontent depuis la date de la Renaissance
où il y a eu la mise en valeur des œuvres sacrées par des grands peintres. Nous avons aussi les images basiques du Christ au centre, avec le fameux Sacré-Cœur et l'auréole que nous connaissons. Alors, quand nous regardons, nous constatons que le récit même de la création, dans la personne d'Adam, était basé sur les mêmes œuvres que l'on peut retrouver dans la chapelle de Sixtine. Ainsi, nous trouvons aussi le récit de la création, Adam, Ève, le serpent, ainsi que leur départ du jardin d'Éden. Il y a aussi d'autres dogmes et d'autres pratiques religieuses qui ont mis en valeur ces personnages. Seulement, le constat que nous avons, c'est que la plupart de ces illustrations nous représentent des personnes européennes, de type occidentalisé. Le récit de Caïn Abel, la tuerie de Caïn d'Abel. Nous avons aussi Jacob et Ésaü, et ainsi le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 33, la séparation des brebis à droite et des boucs à gauche. Nous avons aussi la représentation du Christ qui reçoit la couronne pour gouverner et pour guider. Et comme vous pouvez le constater, la majeure partie de ces images nous met souvent en représentation le Christ, mais dans sa version très occidentalisée. Nous avons le trône de Dieu, il n'y a pas que cela, aussi toutes les années du 20e siècle où le cinéma a fait son bond, le film connu de Moïse, ainsi que Salomon et la reine de Saba, beaucoup d'influences liées à ces images qui nous ont été représentées à cette époque. Nous avons aussi notamment le film de Noé qui raconte l'un des récits bibliques très connus. La version hollywoodienne, permettez-moi de le dire, très grossière, qui n'a rien à voir avec l'histoire biblique. Pendant tout ce temps, nous avons eu à voir plusieurs images et le fameux rôle de Jésus de Nazareth tourné par Robert Powell, Jésus aux yeux bleus. La question que nous devons nous poser, est-ce que la Bible nous représente le Christ sous les formes qui nous a été présentées pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles? Est-ce là la véritable image du Christ? Le verrons à la lumière des Écritures. Comme vous venez de constater et que vous venez de voir, nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, où Dieu dit « Créons l'homme selon notre image et notre ressemblance ». Puis vous avez la suite au niveau du verset 27. Que nous dit la Bible? Il dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Amen. Alors, comme nous l'avions dit au début, Dieu, est-ce qu'il est simplement esprit? N'a-t-il pas d'apparence? Et l'image dont il est question, est-ce que c'est simplement dans le domaine spirituel ou c'est aussi dans le domaine physique? Nous allons aller tout doucement. Amen. Alors, pour mieux le comprendre, nous allons toujours rester dans le livre de la Genèse. Lorsqu'il va créer l'homme, nous allons constater dans le livre de Genèse chapitre 2. Alors, à partir du verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? On nous dit ici, une vapeur va s'élever de la terre, et après que cette vapeur s'élève de la terre, cette vapeur soit mélangée avec cette terre, Dieu va former le corps de l'homme. Ensuite, il va insuffler dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La question que la plupart des personnes se posent, c'est de savoir, est-ce que la forme physique de l'homme lui vient de son créateur ou c'est seulement une forme que le créateur a utilisée pour donner l'apparence de cet être qu'il va créer? Nous allons le comprendre dans les écrits. Alléluia. Et là, vous comprendrez l'apparence de l'homme qui avait été créé, premièrement, que nous connaissons, qui s'appelle Adam, qui est notre père à tous, si son apparence était simplement son apparence ou c'était l'apparence de notre créateur. Amen. Alors, pour bien comprendre ces choses, nous allons aller d'abord dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, au verset 3. Nous allons écouter ce qui va en découler.
Écoutons. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Premier point. Alors ici nous avons la description de la personne de Dieu et la mise en valeur de son aspect par quatre éléments. Le premier élément, le prophète Jean fut ravi en esprit. Il s'agit des choses spirituelles. Deuxième élément, c'est le trône qui est dans le ciel. Puis vint le troisième élément qui nous dit que quelqu'un était assis. Lorsque l'on parle de quelqu'un, il s'agit d'un être, d'une personne. Puis vint le quatrième élément le plus important dans la description. Il est dit ceci, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Là, vous avez la pierre de jaspe qui se trouve à gauche et de sardoine à votre droite. Retenez bien, voyez bien les couleurs. Très important. Puis ensuite, dans le même type, nous revenons sur la description de Jésus dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Là, vous avez la différente description de Jésus, donc l'image et l'aspect de Dieu. Rien à voir avec ce que nous avons vu précédemment. Jean chapitre 1 au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis nous descendons, ensuite, Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, si nous devons parler de l'image du Christ, voici l'image du Seigneur, telle que l'image est décrite dans le livre d'Apocalypse. Nous voyons que ça n'a rien à voir avec ce que nous avons eu à contempler précédemment. Alors, Dieu n'est-il pas merveilleux? Lui qui donne à son serviteur Jean cette capacité de le voir en esprit, parce que nous le savons tous très bien que l'apôtre Jean est celui qui a reçu la révélation de Dieu dans le livre d'Apocalypse pour accomplir ce que nous connaissons aujourd'hui, ses prophéties. Et dans le domaine spirituel, donc en esprit, Jean va voir cette vision où il y a un homme qui est assis et qui a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, très souvent nous lisons la Bible, nous tombons sur ce passage, nous imaginons des choses. Mais est-ce que nous avons déjà essayé de savoir quelle est l'apparence de la pierre de jaspe ou de sardoine? Voilà l'image de la pierre de sardoine et la pierre de jaspe. Voici la pierre de jaspe. Vous pouvez très bien l'observer. Ensuite, nous avons les pierres de sardoine. Voilà comment est la pierre de sardoine. Voilà ce à quoi ça ressemble et vous jugerez vous-même si cela est très ressemblant par rapport aux images que nous avons montrées précédemment. C'est à vous de voir.
Amen. Donc, Jean va recevoir des visions. Ces visions vont être fortes parce que dans ces visions, il y aura la révélation de la personne de Dieu. Souvenez-vous, nous avons parlé de la création du premier homme, Adam. Il le créa à son image et à sa ressemblance. Il a formé la terre de la vapeur d'eau et après quoi, il a insufflé le souffle de vie que reçoit Adam, l'esprit qu'il y avait à l'intérieur de l'homme. Mais attention, ici Jean, dans sa révélation, voit un aspect, l'aspect d'un homme avec une forme physique. Mais on nous dit que cet homme était comme une pierre de jaspe et de sardoine. À vous de juger. Observez bien la suite, la pierre de jaspe, de l'airain brûlé au four, vase d'airain, verre d'airain, la laine blanche, et nous avons une dame regroupant ces éléments. Nous avons l'acteur Morgan Freeman regroupant ces éléments. Je reviens sur la pierre de jaspe, puis l'image des Égyptiens antiques. Comment étaient les Égyptiens antiques ? Puis vous avez l'image orthodoxe de Moïse. Vous avez une statue d'airain brûlée au four. Vous avez l'image des Afars, descendants d'Égyptiens. Vous avez la pierre de sardoine, la pierre de jaspe. Ces images reviennent à répétition pour vous donner plus ou moins une idée de ce qui est décrit dans la Bible et que cela n'a absolument rien à voir des images qui nous ont souvent été balancées et mises en valeur. Car à ces époques-là, il est tout à fait normal que l'image de celui qui était persécuté, donc en parlant des Africains, que l'on mette en valeur un Dieu qui soit semblable à ceux qui subissaient la traite négrière et à ceux qui étaient sous la domination occidentale. Oui, comme vous avez constaté, toutes ces choses que nous vous avons montrées, c'est pour nous signifier qu'il y a un réel problème. L'Église aujourd'hui, le corps du Christ, a besoin de connaître toutes les vérités à la lumière des Écritures. Ces choses ne peuvent être gardées parce que c'est cela qui constitue le patrimoine que nous avons reçu du Père qui est venu du ciel. Et il y a des tas et des tas d'autres choses que nous devons savoir. Mais lorsqu'on parle de Dieu, dès à présent, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Dieu a un aspect et c'est par son aspect physique qu'il a créé l'homme. Et comme nous l'avions dit tantôt, Adam a été créé par Dieu, donc il ne lui a pas simplement donné la partie spirituelle lorsqu'il a soufflé et que l'homme est devenu une âme vivante, mais il lui a donné aussi l'image de sa personne. Raison pour laquelle, dans la Bible, vous allez entendre parler de Jésus-Christ comme étant le deuxième Adam. Alors, si le premier Adam était semblable au Père, le deuxième Adam était semblable à qui ? Telle est la question. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, a commencé à créer l'homme. Et puis, il faut comprendre que Dieu porte aussi une image, parce qu'il est dit dans sa parole qu'il a un aspect. Alors, pour continuer, nous allons encore continuer à lire quel est l'aspect de ce Dieu. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, au verset 26 à 27. Lisons. Ézéchiel chapitre 1, 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en dessus, en haut. Ézéchiel chapitre 1, 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Très chers bien-aimés frères et sœurs, nous devons arrêter, sous prétexte de la foi, limiter notre savoir et notre connaissance. Bien au contraire, nous devons nous épanouir, aller toujours dans la profondeur.
Raison pour laquelle nous avons le devoir d'aller chercher les informations dans la parole de Dieu pour pouvoir s'épanouir. Jésus-Christ nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité doit être connue de tous les enfants de Dieu. Maintenant, voyez tout ce que nous avons présenté. Et que pensez-vous par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à tout ce que nous avons l'habitude d'entendre? Vous comprenez? Donc, Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En exemple, vous avez la Madone Noire de Częstochowa, icône la plus importante de l'Église catholique romaine de la Pologne. On dénombre pas moins de 450 à 500 Madones Noires. Vous avez notamment celle-ci, celle qui représente Notre-Dame de Carzon, qui date entre le 17e et le 18e siècle. Après que celle-ci soit brûlée accidentellement, il fut refait et remplacé par une version très bien occidentalisée que vous pouvez voir maintenant. En 1904. Et puis vous avez aussi le Christ noir d'Esquipulas au Guatemala qui a été sculpté en 1595 à la recommandation de l'évêque Frey pour les habitants de la même région. Ces sculptures ont une importance capitale pour les personnes qui viennent les vénérer. Et vous pouvez constater que la couleur de ces sculptures ne s'écarte point de ce que nous avons décrit au début par rapport au livre d'Apocalypse. Nous observons aussi à Portobello, le Christ noir de Portobello, qui est vénéré aussi par ses habitants qui se trouvent dans la région du Panama. Plusieurs versions, notamment la version suivante, qui fait apparaître les stigmates du Christ sur le visage, d'après les dires et les légendes des habitants de cette région-là. Encore une grande icône russe de Spas Smolensky, dorée, avec le personnage central du Christ, à Oklad, à Saint-Pétersbourg. Et puis la suite. Puis nous avons aussi Nostro Padre Jesus de Medinaceli à Madrid, vénéré en Espagne. Il y a toute une histoire derrière toutes ces œuvres liées à l'orthodoxie, mais nous nous rappelons que à partir du 15e siècle jusqu'au 17e siècle, ce fut une période de la Renaissance où il y a eu un travail considérable sur la plupart des œuvres. Ici, nous avons notamment l'extrait de la manière dont les choses étaient faites à cette époque. Comme la parole le dit, chaque chose a son temps. Nous avons à chaque fois les images d'un Christ semblable à un Africain, puis un Christ semblable à un Européen. Et puis plus tard vint l'interprétation de quelques traqueurs qui parleront de l'image de César Borgia. En 1769. Nous avons aussi l'image paléo-chrétienne d'Adam et Ève se trouvant dans les murs qui ont été faites à Rome dans les catacombes. Où est la vérité entre les deux versions, tout en sachant qu'il est dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Alors, il y a d'autres versions qui viennent un peu ramener cette réalité qui a souvent été changée et que nous pouvons reconsidérer à ce jour, l'image du Jardin d'Éden, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui nous a été présenté par l'œuvre de Michel-Ange dans la chapelle de Sixtine. Puis vint intervenir plein d'autres tableaux qui mettent en valeur la personne d'Adam, toujours avec les mêmes principes, couleur des reins, bronzé au four, pierre de Sardoine, etc. etc. Il y a aussi la version Témoin de Jéhovah qui fut retravaillée notamment par d'autres artistes pour des raisons de rétablissement de la vérité. Toutes ces choses, bien aimées, sont là pour nous montrer plus ou moins quelle était la pensée et la manière d'agir de l'époque.
car l'orthodoxie a pu conserver une grande partie de ses œuvres pour montrer que l'image primaire était complètement différente de ce que nous avons eu à regarder en tout début de ce que nous vous présentons. Le Christ déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. » Il ne s'agit pas ici d'une histoire de couleur, mais il est bien plus important de baser l'historicité de la religion sur des vérités importantes. C'est pourquoi nous avons travaillé même des images 3D pour essayer de représenter les images qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 13 au verset 15. L'image christique. Voilà la suite de tout ce que nous avons pu vous donner. Bien-aimés, nous arrivons au temps de la fin. Le temps de la fin est proche. Chrétiens, chrétiennes, les jeunes gens, sortons de l'hypocrisie qui est cachée derrière la religiosité. Parce que ce sont ces choses qui nous freinent et qui nous empêchent de nous épanouir. Si par le passé, il y a des erreurs qui ont été commises, nous, nous sommes mandatés pour venir apporter la vérité. Le Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Maintenant, dans tout ce qui a été présenté, que pensez-vous en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, notre rôle, ce n'est pas seulement d'entrer dans des assemblées pour nous asseoir, pour recevoir un message qui va nous permettre d'être des meilleures personnes pour notre vie personnelle. Mais Dieu veut que nous sachions qui nous sommes réellement pour qu'il y ait un changement. Car le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli de méchanceté. Souvenez-vous de sa parole lorsqu'il dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, « Ne savez-vous pas que le monde entier est sous la puissance du malin ?» C'est le règne du plus fort contre le faible. C'est le règne de celui qui a l'arme nucléaire qui va dominer sur tous ceux qui sont les plus faibles. C'est le règne de ceux qui se partagent des terres par rapport à leur puissance. C'est la domination du plus fort contre le faible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de nous amener vers la fin de toutes ces choses. Raison pour laquelle nous devons travailler pour que cette vérité soit connue de tout le monde. Aujourd'hui, dans nos églises, nous devons faire un effort de prêcher la connaissance de Dieu. Nous ne devons pas simplement nous arrêter sur la dîme et les offrandes. Parce que c'est une partie qui intéresse beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu de ce jour. Mais Dieu veut qu'au-delà de la dîme, que nous puissions faire un travail qui va permettre à ce qu'il y ait une réelle connaissance où personne n'aura à prendre à l'autre qui est réellement Dieu parce que nous retrouverons réellement l'identité que nous avions par rapport à ce que le Père souhaite. Prenez le temps d'analyser, prenez les passages bibliques, prenez vos feuilles, prenez vos stylos, notez parce que ces choses sont importantes. Nous arrivons au temps de la fin, il faut connaître les choses. Toi qui vas suivre ce message, tu n'auras plus d'excuses pour dire non, Dieu, je ne comprends pas comment il est, tu sais comment il est Dieu. Nous devons tout simplement briser le tabou et sortir de cette hypocrisie qui consistait à nous enfermer dans une bulle pour nous empêcher de voir les choses telles que le Seigneur nous l'a présentées. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, mais nous allons développer bien d'autres choses encore pour que vous compreniez que la vision de Dieu n'était pas exactement celle qui nous a été présentée au départ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons ensemble pour continuer d'aborder ce sujet qui est très important pour l'édification de l'Église véritable du corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Bien-aimés frères et sœurs, sous prétexte d'avoir la foi chrétienne remplie de gentillesse, nous ne devons pas tordre les Écritures, mais nous devons rester dans la vérité. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est arc-en-ciel aussi longtemps qu'il se décrit lui-même comme étant une personne dite de couleur, en l'occurrence noire. Une vérité reste une vérité. Le fondement de la foi chrétienne ne peut être basé sur le mensonge. Jean chapitre 8 verset 44, c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc si nous devons dire les choses, nous devons les prononcer telles qu'elles sont. Car la vérité demeure et la vérité ne change point. Chose étonnante car on dénombre pas moins de 450 à 500 vierges noires se trouvant sur le continent européen. Toutes ces vierges sont vénérées, des Christes noirs un peu partout dans le monde vénérés, ainsi alignés à l'image des orthodoxes. Par contre, ce ne sont que des statues mais qui sont vénérées. Et quand on voit des hommes qui sont classés à cette image,
ce sont eux qui sont considérés comme les derniers dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'en réalité, quand on contemple les choses, on voit bien que l'homme donne de la valeur à ce qui a peu d'importance. C'est à vous de voir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.